avec des décors en carton. Aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. Ici, vous voyagez à l'intérieur d'une artère, d'une véritable jambe. Maintenant, vous vous glissez parmi les vaisseaux sanguins du cerveau d'une jeune femme. Des images en trois dimensions, devenues possibles grâce aux immenses progrès réalisés par les scanners rapides et les ordinateurs. Sans même avoir à se déshabiller, la patiente ne passe que quelques secondes dans la machine. Ce sera pourtant suffisant pour enregistrer les milliards d'informations nécessaires à la reconstitution virtuelle de la totalité de son corps, jusque dans ses microscopiques détails. On réalise un véritable clone virtuel du patient, et c'est le clone virtuel qu'on embête au lieu du vrai patient. Et ça a l'air de rien, mais on fait 1000 examens en un, et vous avez compris que grâce à ça, on allait avoir la prévention du futur, ce qui finalement va coûter beaucoup moins cher à la société et va apporter beaucoup plus à nos patients. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir visualiser les pathologies avec une précision beaucoup plus grande, permettre aux médecins et aux chirurgiens de choisir leur technique et aux patients de visualiser leurs maux. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus tôt des lésions de plus en plus petites et de façon de moins en moins agressive. Témoin, cette visite de l'intestin qui permet de repérer les plus petits polypes. Tout d'un coup, encore un là. On passe à travers l'eau, comme on passera à travers le miroir. Cette visite a pu être enregistrée en même temps, c'est-à-dire par le même scanner que les données nécessaires à l'exploration du cœur. Cette fois, il s'agit d'un homme de 50 ans. En blanc apparaissent des plaques calcifiées. Pénétrons dans cette petite artère coronaire de 2 mm de diamètre seulement. Les plaques blanches, nombreuses, vont bientôt boucher le vaisseau sanguin. L'infarctus est imminent. Ces images, 20 fois plus précises que toutes celles jamais obtenues jusqu'ici, vont modifier profondément les habitudes opératoires des chirurgiens. Ah mais je ne serais jamais passé par là si je n'avais pas eu cet examen. Jamais. Quand on reçoit ces clichés avant l'intervention, on peut répéter notre intervention autant de fois qu'on le veut, en remettant et remettant encore les images, en fermant les yeux et en faisant comme un skieur avant une descente de compétition de ski, envisager les bosses, les virages et tous les petits pièges qui pourraient nous freiner chirurgicalement. Et donc c'est une sécurité absolue pour le chirurgien et pour le malade. Des images numériques qui permettent même de voir battre un vrai cœur humain. À 84 ans, il a quitté la scène, mais pas les studios.